Hello les amis, on se retrouve pour un vlog day off et c'était une journée très très chill, je pense d'ailleurs que c'était le 1er novembre. Je me suis levée très tard, oui, parce que voilà, day off quoi. Et donc je suis restée au lit, je pense, 2 heures après m'être réveillée. Et après ça, c'était matcha latte time. Donc oui, c'est la prochaine fois, je vous promets, je mettrai autre chose au petit déjeuner du vlog. Et vous me demandez souvent où j'en achète, ce à quoi je réponds sur Amazon et je passe par des services qui livrent ici comme Kolinaka. Je pense que vous êtes habitués maintenant pour le matcha latte, c'est du matcha, du sucre, de l'eau, des glaçons et du lait. On dit souvent qu'il faut mettre du vert dans ce qu'on mange et c'est aussi un peu pour ça que j'en prends assez régulièrement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire par exemple c'est quoi la boisson que vous appréciez prendre le matin. Et pour le mousse râlée, vous me l'avez aussi souvent demandé, c'était à Homestyle à Tanzbat, mais j'ai vu qu'on en trouvait aussi dans les supermarchés comme Jumbo. Donc faut checker, ça coûte pas cher. Et oui, je suis très très maladroite. Et ça, vous le voyez pas en fait sur les recettes, mais il arrive souvent des choses comme ça. Donc voilà, je n'ai rien mangé, je me suis juste contentée de ce matcha latte et je l'ai pris légèrement d'extérieur. Pour profiter du vent frais et sain entre guillemets du matin, un petit peu de la chaleur sans que ça ne soit étouffant, et puis voilà, j'étais avec les chiens aussi qui étaient juste à côté. Ensuite, en début d'après-midi, je suis partie en pleine session illustration. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu, c'est la nouvelle photo de couverture de qualité. Et j'essaie de montrer un petit peu qu'est-ce que je souhaite proposer en fait sur qualité. Donc là c'est la première version de la nouvelle photo de couverture, vous avez vu que c'est pas la même maintenant. Et pour les détails, là par exemple j'ai dessiné mon stabilisateur, mon micro, etc. Et j'ai commencé en avril, j'ai perdu l'inspiration et la motivation avant de reprendre fin octobre. Puis voilà, c'était déjeuner une fois que j'avais fini, très simple hein, du tilapia frit, du riz, des cabas. Et après ça, je suis partie configurer ma page Amazon parce que j'achète beaucoup de produits en fait sur ce site et on me demande parfois les liens de certains produits et j'ai tout regroupé sur le lien que vous voyez dans la vidéo. Et ça me permet d'avoir des commissions s'il y a achat mais vous payez rien de plus, histoire en fait de soutenir financièrement les projets vidéo de qualité. Donc en fait c'est juste que j'ai testé quelque chose et puis j'ai été acceptée sur ce programme d'Amazon et voilà. J'ai voulu tester juste. Donc là par exemple vous avez des lumières que j'utilise et vous verrez à la fin de la vidéo à quel moment en vrai je les utilise. Et voilà, je suis contente parce que c'est bon. Il y a de nouvelles émotes. Donc il y a le nom nom de tout à l'heure. Cooking et vlog. Et donc ce sera la nouvelle photo de couverture de qualité également. Et puis, fin de journée, fermeture des volets, parce que même s'il fait chaud, les moustiques, c'est compliqué. Donc je ferme assez tôt, vers 17h, 17h30 grand max. Et après, voilà, vous voyez mon petit coin gaming et mon bureau en soirée. Voilà à quoi servent les lumières en fait. Après ça, on est parti jouer à It Takes Two avec un ami parce que ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas joué.
Donc, on branche la manette, même si je suis pas habituée. On se démute sur Discord et c'est parti pour la session gaming. Côté dîner, c'était juste une menthe parce que j'avais vraiment pas faim et puis j'avais trop chaud. Et c'est un de mes fruits préférés, donc très simple, efficace, parfait. Puis je me suis couché tard vers minuit 30 après avoir continué à jouer à It Takes Two, parce que voilà, on est resté très longtemps. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour plus de contenu vidéo.